Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crayons de Mamouchka. Donc aujourd'hui, ça sera ouverture de la Dégusta Box du mois d'octobre. Alors, désolée pour le bruit. Donc j'essaie toujours de ne pas trop craquer ce papier parce que je le garde. Quand j'ai dû te l'y envoyer. Voilà. Alors, donc tous les petits flyers. On regardera ça après. Et la box d'octobre. Cocooning. Alors, qu'avons-nous? De beau. Oh, trop bien ça. Des bonbons. Haribo. Happy Monster. Alors, c'est 1,74. Voilà. C'est sympa à partager. Nouveau. Bonbon puzzle. Là, pour le couper, 220 grammes. Je n'ai pas mis la caméra comme d'habitude, donc j'espère que ça va le faire. Ensuite, je vais poser tout mon bazar là. Regardez juste ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des céréales, des Jordans Country Quips. Ah, sympa ça, ça, sans huile de palme, très bien. 3,29€. Bon, pourquoi pas, hein, 500 grammes. Bon, écoutez, on goûtera. Oh là là, mon Dieu. Alors, je les cherche sur mon. Alors, est-ce que c'est le cadeau sur. Je les trouve pas. Bon, on va les mettre de côté, on verra après. Hein. Alors, des Kellogg's comme ceci. Deluxe snack mixte. Fruits tropicaux, noix de cajou et abricots. Alors là, c'est 2,69€. Il y a deux sachets par box. Ouais, ben moi j'en ai trois. Ils savent peut-être pas compter, mais c'est pas grave. Voilà. Oh, c'est pas sympa ça. Tropico, noix de cajou, donc 2,69€. Donc c'est les bleus là. Ou alors ils en avaient plus comme ceci. J'en ai déjà eu cela. J'avais moyennement apprécié, mais bon, comme trop. Pourquoi pas hein, tester autre chose, hein, un autre produit. Maintenant les petits savanes, les duos. Alors pêche. Sans huile de palme, c'est très bien aussi. 1,85€. Il y en a 6, je suppose que c'est. Bon, je peux l'ouvrir, de toute façon, je connais mes gars quand ils vont rentrer du boulot de tout à l'heure. Même si. Oui, c'est par individuel. Ça se trouve, c'était écrit dessus. Bon, bref. Hop, ça, c'est très bien aussi. Alors, ça, c'est quoi? Ah! Lorina, tonique artisanale. Donc, c'est de la limonade. On dirait. Non, soda artisanale, tonique. Ah, je vais pas l'enlever du plastique. C'est assez froid. Tonique extrait de gentiane. Soda artisanal. Voilà. De Moselle. C'est les bouteilles de limonade. 2,80€. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? Hop là. Ah. C'est une bière ça. Ah, pas non plus. Bon. La slash, il pas. Et dire que je suis allée en course samedi matin. Là, quand je vous fais la vidéo, on est lundi matin. pardon. J'en ai vu de la slash. Je voulais en prendre et puis j'ai dit, oh, non.
Voilà, et les idées se rencontrent, les grandes idées se rencontrent toujours. Ensuite, une boîte de cup noodle work style. Voilà, donc ça c'est le produit du mois et ça coûte à 99. Et ça c'est du thé vert marocain, marocaine, thé vert à la menthe, marocain je pense. Le thé vert à la menthe, ça doit être ça. Good Earths, Art Tropical, Mango, il doit y avoir plusieurs sortes. Hein. Donc moi j'ai de la du thé vert à la menthe, c'est très très bien, parce que le thé vert à la menthe c'est ce qu'on prend. Donc déjà, donc d'une autre marque bien sûr, mais c'est ce qu'on prend. Donc, alors je vais pousser mon carton, je vais remettre les produits. Alors j'ai en cadeau, j'ai eu ça. Et ça, apparemment. Parce que je ne trouve pas sur le... J'ai pas les snoussies. Ça, par contre, est-ce que peut-être qu'il n'y en avait plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Les smoothies, on en prend pas. Donc, bon. Alors, voilà. Voilà. Je vais pousser un peu tout ça. Voilà. Bon, bah, encore une boîte... m'a l'air assez sympa. Hop, la bière et le ouais, le style de limonade on va dire. Voilà, j'ai oublié la menthe. Alors là c'est très bien, la menthe c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté là ah bah justement il nous parle de la des comment du thé. Il y a trois sortes. Tropical mango moringa, hibiscus rose et hibiscus rose et baie. Ouais, bah, je préfère le thé à la menthe. Hein. Alors dans les flyers, il y a le dégustable box, le calendrier de l'Avent. Je l'ai commandé mois dernier, on verra bien, on va voir. Je vais faire je vais tenter le coup. Il faut tester. Un bon de réduction sur Petit Savane. Voilà. Je le donnerai à ma belle-fille. Gourde recyclable Andros. Toujours un bon de réduction aussi. Et le Jordan. Sur présentation, donc bénéficiaire. Ah bah c'est une. C'est également un bon de réduction. Mais bon, Jordan Crips, je testerai, mais là, il y a au chocolat noir, donc ça plairait peut-être plus à la maison. Mais bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je ne suis pas très céréale, mais avec les idiots qui ne changent pas d'avis. Hein? Alors, retour sur la box de nos septembre. Alors, les Vico, bah, c'est très bon. Spirale à la carotte, nous on a adoré. Même mes fils, qui sont un peu difficiles sur certaines choses, ont adoré. Le cola, ils ont apprécié également. J'ai goûté hein, pour voir. C'est surprenant, mais bon, ils ont aimé. Moi, c'était limite, moyen. Bon, les pâtes complètes, nous, c'est déjà ce qu'on achète depuis un petit moment. On aime bien. Les desserts, c'est pratique dans cette petite, en format petite gourde là, c'est très très bien, c'est bon, hein, c'est goûtu. Voilà, très bonne, j'adorais. Pourtant, je suis pas bière blanche, mais j'ai bien aimé. Alors là, c'était ah oui, le lait, mi-lait, mi-végétal. Alors, je ne savais pas trop quoi en faire, ce genre de choses. On ne boit pas de lait, mon mari et moi. Mes fils en prennent pour leur. Quand ils déjeunent, pour le goûter, même encore à leur âge. Mais bon, ce n'est pas le genre de truc que l'on prend à la maison. Et dans une ancienne box, j'avais eu de la floraline. Donc, j'ai eu l'idée de
de faire un dessert avec de la floraline et puis c'est passé comme ça, en dessert. Ils ont apprécié. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'on sent pas trop on sentait pas trop le goût, mais bon. Alors, ah, je passe à ça. La boulangère, les tartines de campagne. C'est très bon, on a apprécié. Et mon mari en a même toasté. Et il m'a dit, c'est très très bien. Donc, ça fait partie des choses qu'on rachète. Les Kellogg's Deluxe, Snack Mix Goji, moyennement apprécié. Et je vous dis, je suis pas une fervente de. J'ai un peu de mal avec les céréales, mais bon. À la maison, il n'y a que mon fils Loïc qui en mange des céréales, mais là, quand il a vu ça, non, 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 non. Lui, c'est plutôt. Faut pas changer ses habitudes, c'est toujours les mêmes hein, qu'il prend en course. Donc. Et Gerlinéa, la bowl indienne. Alors, franchement. J'ai eu beaucoup de mal, je l'ai mangé, hein. Je l'ai pris. C'est vrai que je l'ai mangé, moi, ben, j'étais toute seule à la maison, donc ça m'a fait un plat pour un midi, mais je n'ai pas du tout apprécié. Mais bon, riche en protéines, riche en fibres, contenant toutes les vitamines et minéraux essentiels, prêt en 5 minutes. Alors, est-ce que c'est l'Indien qui m'a gêné parce qu'il y a du curry dedans, je n'aime pas du tout le curry. Je sais pas, en tout cas, je n'ai pas du tout apprécié. Mais bon, hein, on ne peut pas tout aimer hein, dans les box. Hein. C'était saine et gourmande. Et là, c'est cocooning. Donc voilà, bah, écoutez, des trucs sympas quand même. Hein. On va tester les Kellogg's, on verra bien. Hein. On va redonner une chance au. Peut-être que fruits tropicaux, noix de cajou et abricots. On va le faire un peu plus là, je sais pas. Ben, à midi, justement, je ne savais pas quoi manger, ben, ça tombe bien. Je crois que ça sera mon repas d'à midi. Voilà. Voilà, et des choses sympas. Je vais mettre la bière et la genre des limonades au frigo. Et puis. Puis je vous dirai le mois prochain ce qui a été apprécié ou pas. Voilà. Bon, ça, je sais pas, faut tester. Et à 4 heures, je me ferai certainement un thé. Ça fera du bien pour la gorge. Mais le thé vert à la menthe, c'est tip top pour nous. Voilà, ben merci d'avoir regardé. Pardon. Cette vidéo, je vous dis à bientôt. Au revoir.